Le starter feu était vraiment puissant parce que son ult était génialissime, attaquait tout le monde avec X%. Là, on peut tenter le belief, mais. Ah, au début, au démarrage, il trigger la super de l'allié qui est devant. Et il donne à ses alliés la fortitude. Et lui, il est censé donner de l'armure, mais bon, je sais pas trop, j'ai pas tout compris. Enfin, j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Ahead. Il est sur la même ligne, pas trop sur la même ligne. Est-ce que pour ils sont en quinconce, pour ils sont tous blessés? Et lui, il est censé rajouter sa défense, mais le problème, c'est qu'il a jamais de défense, donc il attaque jamais. Et... Tenter une dernière fois l'eau, il faut le faire gagner. Pour faire plaisir. Pour montrer que c'est pas un sac à caca et c'est nous qui ne savons pas gérer correctement notre poster terre, c'est bien. Voilà, on a un choix de 2, est-ce que là on a que le choix de 1, c'est-à-dire on n'a pas le choix. Dit autrement, ça veut dire qu'on n'a pas le choix. Voilà, il va se prendre un coup d'eau et il va pas trop aimer ce qui va lui arriver. Il va censé être doublement efficace. Pour le cas de man, du coup, on peut recruter le scorpion. Un item. Ça, c'était très fort. Et enfin, ça, je pensais que c'était bien, mais au final, ça nous a pas trop servi. J'aurais dû donner au gobelin, mais j'avais peur que s'il meurt le gobelin, on le perde. Là. Poison, terre, c'est quoi le les baumes. Poison, on a dit que c'était faible contre eau, glace et insectes. Enfin, eau, glace, c'est bien, mais. Il y a l'autruche. Ah oui, ça veut dire qu'on va recruter une autruche potentiellement. Le bâton, j'avais pas tout compris. C'est un sorte de pierce. Ça avait l'air fort. Ouais, il a une rapidité exceptionnelle, Nock. Hein. 24. De donner 2 d'attaque de manière permanente à un allié, c'est quand même très fort aussi. Les boss, on va s'arrêter à terre, non? Électricité après. Poison. Poison, ok, mais électrique. Ouais, on va se promener par là, tiens. Donner le type glace.
de 30 d'XP. Ouais, c'est vrai qu'on avait assez peu de 3 types, c'est en vrai, si nous on le propose, c'est que c'est surpuissant. Ah, il y a le Frost Mall. J'ai tort d'avoir le Frostmal. J'ai deux glaces, ça n'a pas de sens. J'ai que des attaquants. Ah non, j'ai un support. Donc c'est ok. Et du coup, lui il va derrière. Et lui il est censé aller devant, mais il manque quoi. Faut lui en demander. Lui il faut qu'il tienne longtemps donc. Ouais, la cloche, ouais, faut pas la mettre sur lui. Faudrait acheter un autre truc, genre ça. Ça. La cloche sur lui. Last wish. Des effets de terrain que je lis pas. Et tout ça, 16 de dégâts sur le truc aux F quoi. Yeah, évolution de scorpette. Un scorpin. Un scorpain. Il aime pas quand ses alliés sont dans les vapes. Ah, lorsqu'un allié se régène, tu gagnes un de santé, tu gagnes la santé de l'autre. Et c'est vrai qu'il faut recruter le Cadomon avant, parce que du coup si on skip pour avoir de l'XP, peut-être qu'il le gagnera aussi. On va avoir un autre Pokémon glace. Voilà, on a déjà notre roster du coup. Et voler lui. Waouh. Je vais lui donner ça en attendant.
Les events, en vrai, c'est pas oufissime. Surtout qu'il y a des events qu'on comprend pas ce que ça fait. Voilà. Une armée de feux de camp. Les boss, enfin les mini-boss, ça pour recevoir un reroll. Le truc c'est que glace plante, on a déjà de la glace, ouais, mais on s'en fout, on dit qu'on a notre build. Là, c'est pour avoir de l'XP, des items et autres joyeusetés. Ah ouais, on s'engage dans un chemin de boss. De toute façon, il y aura forcément un boss là, donc autant l'attendre le plus loin possible. Ça doit être ça, le on feint, gagne un PEV et trigger. L'autre, il a été revive le Frostmall avec un PEV. Et j'avais l'impression après qu'il était devenu invulnérable, mais. Peut-être juste que personne l'attaquait. Aussi 26, bam. Inverse les physicals et les dusk, ouais. On va reprendre le dodo. On peut avoir Belief, le starter. Yep. On a le starter avec nous. J'en ai deux qui n'ont pas évolué. Donc. Et augmenter la max HP. Un Frostmall. Le bâton qui permet d'attaquer en perçant. Mieux que ça. Ah bah oui, il y a lui là. Évidemment, ça tombe sur le. Par l'invocation. Ça a l'air de un peu mieux tourner là. Mais après, on a des avantages de terrain aussi qui sont forts. Les picots ne sont pas supprimés. Le Lucky Coin pour gagner davantage d'argent. Du ralentissement dès qu'un allié tombe dans les vapes. Sachant que je vais le mettre à celui qui est devant. Ah, peut-être un scorpion.
Ah, le pognon, c'est vrai, c'est bien aussi. Je me fais le boss maintenant, je sais que je l'aurai plus tard. Oh là, c'est le chemin des boss là. Un peu trop de Pokémon électriques là. T'es bien de tuer le nuage. Merci. Il y a le requin derrière, mais il va passer devant quand il va attaquer. Ça va faire mal par contre quand il va attaquer. Ça va, mon Pokémon O, il a encore rien subi comme dégâts. Oh là là, on est en train de le rouler dessus. Ah, on a perdu notre Pokémon glace. Frost Mole. Toujours pas assez d'argent pour donner l'XP à Frostmall. Il est à 45 sur 60 et lui il est à 55 sur 60. Du coup il va bientôt évoluer. Alors après il va bouffer 10 de pognon pour ça. Il aurait plutôt bourré les potions. Le truc c'est que il nous reste un combat là. Boss, combat on peut faire. Et un camp. J'ai 10 d'attaque. Hey. The fuck. C'est des alters et type normal aussi. Donc, du coup, alter c'est du dark. Dark. Et... faut pas être un dark devant du coup. Il y a dark derrière. Dark derrière. Et physique, on a dit quoi d'autre? Toxique et air. Bah, du coup, double type ici. Et lui, je sais pas si mettre devant c'est une bonne idée en vrai. Parce qu'Orpin, il fait mal quoi. On va tirer le coup force mode. On sort pas. On va rajouter un peu de HP up. Il se fait bolosser. Il a 23 de vitesse. Il invoque des coups des knockards. Ouais, d'accord, c'est mon starter qui s'est fait bolosser. Ouais, ce truc de terrain de feint qui reste en vie, c'est vraiment très fort hein, parce que du coup ça te permet de continuer à attaquer. Oh là là, il se fait déchirer. Il n'a jamais réussi de sa vie, mais j'espère que c'est parce que je l'utilisais mal. Non, pas parce qu'il était nul. T'en savais tous les types R en type terre. Ça permet du coup de soit faible contre l'eau. Oh, la rainfall, c'est toujours bien. Ah, attendez. J'aurais pas envie de se faire évoluer maintenant. Il a combien? Encore deux coups.
Ça aussi je peux le skip du coup. Et bim, Billy fait évoluer. On aura vu l'évolution du second starter, il évolue en stagnant. Next Evo. Ah oui, bonne évolution. Et c'est Frostmal qui évolue en... Freezar. Wow. Freezar. 37 PV, 15 d'attaque. Très lent par contre. Two times. Ok, c'était pas four times. Ok. Il y a 4 pognons. Ouais, le bâton aurait été très fort sur Frizzard, plutôt que son Lala. Oui, mais c'est vrai que j'ai jamais combiné les items. On n'a jamais eu autant de Pokémon évoluer. Hein. On peut se faire tous les boss. Si on n'y arrive pas, du coup, on va être dingue. Marvelisque, la licorne arc-en-ciel de la Marquitu. Il applique 4 Dizzy par Toxic Cadomon sur la bataille. C'est eux qui appliquent du Toxic et Fumbus. C'est du Air Toxic. Et Air, c'est fort contre les insectes, la Darkitude et le physique. Insectes, Darkitude et physique. Oh. On va remplacer. Regarde, là, si tu la super deux fois, ça peut être fort pour un. Pour je sais pas qui en fait. Pour le Blizzacéan, c'est tout. Si c'est un insecte et le feu ou la plante, il y a des trucs qui sont efficaces contre. Ah oui, mais lui là en plus, il a la double faiblesse parce que poison aussi c'est efficace contre la plante. Enfin, c'est une connerie. On va voir comment il se débrouille sans rien modifier. On faut se débarrasser des nuages. Ouais, on tient le coup. Ah. Alerte Grizzly. Un sac Grizzly. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que mon PC me déteste? Bon, merci en tout cas. Ouais, si ça arrive fréquemment, et puis tu le retrouves éparpillé dans la VOD et... l'enfer, je pourrais rien y faire en fait. Gagner 5 de pognon.
Est-ce qu'on peut donner ça? Égal rien. Mais aussi dans les gars. Et ça fait rien. Ça, ça fait rien non plus. On baille. C'est bien ce quand même. Et tout pour rien. Oh, je suis censé savoir qu'est-ce qu'il fait quelque chose. Ça pique les oreilles. Et oui. J'ai bourré l'attaque de Blizzacéan. Un autre mini-boss. Des Farmok. Et Maudit Fermier. Ah oui, c'est un gnome fermier. D'ailleurs, ils sont tous. Oui, ça doit être tous être des gnomes. Enfin, en mode un peu ébréché et tout ça. On n'a pas regardé, mais ils finissaient par Ok à chaque coup. Enfin, sauf la licorne. Mais l'autre, celui qui faisait de la musculation. Normal, feu. Lorsqu'il attaque, il déclenche l'attaque des autres alliés et il invoque un Sapok, tous les 8 d'énergie. Par contre là, on va prendre cher avec le feu. Feu. Il n'y a que l'autruche qui peut résister. Pourquoi il est passé feu, lui? Comment il est passé feu, en fait? C'est grâce au Fire Slime? Ça l'a transformé en feu? Les double clutch c'est très fort parce que du coup ça poke comme ça pling sur le scorpion, ça marche très bien vu qu'il se booste sur il devient de plus en plus fort donc. Il arrive à invoquer plus vite que nous ce qu'on arrive à tuer ces saplings. De temps en temps l'autruche du coup elle déclenche les trucs sur tout le monde, ce qui fait que ça touche aussi le boss mais. C'est de justesse, mais. Ils ont pas réussi à tuer assez vite le. Le boss. Allez! Retour de construction. Et du coup, il est plus feu. Pas pour
va à un moment donné dépasser le feu. J'ai vu, elle a 4 stacks de... Oula, elle avait 4 stacks de... d'endormissement. Oh, le prochain gland invoqué va... Ah, j'allais dire, il va avoir beaucoup de paix, mais non. À chaque hit, c'est pas à chaque... Donc du coup, il faut lui faire de gros dégâts. D'un coup. Oui. Bien joué, victoire. Eh bien. C'est compliqué hein, de faire gagner le starter haut. Mais il a gagné, bravo à lui. On a toujours le caillou là-bas. Ça, c'est Azitam à eux. C'est l'Arzitam à eux. Pas très bien. C'est vrai que le problème des automateurs et autres et ce tableau de force avec des trois forces, mais tu parles trois types, mais du coup on n'a pas compris s'il y avait des résistances par mon nom d'après ce qu'indique le tableau. Mais donc du coup quel est l'intérêt d'avoir trois types mis à part se faire bolosser par plus de gens? Certes du coup bolosser aussi plus de gens, mais bon. Dans l'autre sens, ça marche quand même. C'est pas ouf quand même. Alors peut-être qu'on peut annuler, je sais pas. Peut-être que du coup, une case vide versus une case qui monte, bah égale une case vide. Je ne sais pas. Et après, ouais, il y a des combos qui se font. Il y a des trucs de terrain. On les a eu, je sais pas comment d'ailleurs. Peut-être que du coup, c'est quand on est allé en profondeur qu'on a eu ce des trucs de terrain un peu bizarres comme le revive et l'autre. Mais pourtant ils n'étaient pas affichés en haut à gauche. Pareil, ça aussi c'était un peu mystérieux. Mais c'est ce qui nous a carry. Et il y a eu pas mal de synergies, les cloches aussi qu'on a activé sur le scorpion et autres joyeusetés. Après on s'est fait bolosser sur le fermier parce que on n'arrivait plus à lui afficher ses dégâts et lui il arrivait à faire spawn rapidement. C'est un peu bizarre. Parfois ouais, on fait zéro de dégâts. Alors que c'était des plantes qu'il invoquait, donc on avait le scorpion qui faisait des dégâts de feu. Donc pourquoi? Je sais pas, enfin voilà. Il y a des trucs comme ça avec les auto-battlers où c'est toujours un peu mystérieux. On peut pas trop décortiquer facilement ce qui se passe parce que ça se passe très rapidement et ok. Mais voilà, sinon dans l'idée du rogue un peu auto-battler avec des monstermen, j'ai envie de dire c'est sympatoche quoi. Donc à suivre, ça c'était le prologue et... Le jeu est prévu pour 2024 en Early Access, donc ça veut dire qu'il ne sera pas encore fini non plus. Des bisous à la VOD, on postera sûrement les deux VOD de victoire, hein, parce que des défaites, écoutez, elles n'existent pas. Elles n'ont pas existé, il n'y a jamais eu de défaite. Des bisous. Ok.